Bonsoir Jérôme Badini. Bien sûr, je suis encore un grand fan de Chick Corea. Merci de nous le faire entendre et adieu Chick Corea. Mais ce soir, nous sommes au Jazz Club de France Musique et Dieu merci, le Jazz Club est bien vivant. Ce n'est pas tout de dire qu'il est bien vivant, il est même live. En effet, nous sommes en direct à Paris, comme la semaine dernière d'ailleurs, sur les hauteurs de Ménilmontant, au studio de l'Ermitage, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Donc vous allez pouvoir écouter ce concert, le voir également sur le Facebook et sur le YouTube de l'Ermitage, et sur le Facebook du Jazz sur France Musique. Avec donc un orchestre de 8 ou 9 musiciens, qui s'ancre dans une tradition ancienne déjà, puisqu'au départ ça s'appelait Archimusique. C'est un octet qui a été fondé en 93, je crois, par Jean-Rémy Guédon, et qui avait cette particularité de présenter sur scène 4 musiciens qui viennent du monde du classique et du solfège et de la musique lue, et 4 musiciens qui viennent plutôt de l'improvisation et du jazz. Le groupe a bien sûr évolué, il s'appelle maintenant le collectif La Boutique. Jean-Rémy Guédon, qui en est à l'origine, n'habite plus en France, et c'est le trompettiste Fabrice Martinez qui en a repris la direction, en reprenant des compositions qui sont toutes de Jean-Rémy Guédon et qui s'échelonnent sur cette période de presque 25 ans maintenant, et qui va nous faire écouter donc ces 8 musiciens qui sont Vincent Arnoux au bois et cor anglais, Emmanuel Brunat est à la clarinette basse, Clément Dutoit au saxophone, Nicolas Fargex à la clarinette, David Pouradier-Duteil et Yves Rousseau sont les deux historiques. Ils étaient là au début, l'un joue de la batterie, l'autre de la basse. Anaïs Reyes joue du basson, Fabrice Martinez de la trompette et du bugle. Et il a décidé, en plus des 8 musiciens, d'avoir un invité. Il s'agit de Vincent Perani à l'accordéon. Et pour commencer donc en direct pour le Jazz Club de France Musique, un beau morceau en forme d'oxymore qui s'appelle « Loi et passion ».
Fabrice Martinez qui joue avec la sourdine de sa trompette devant le public extrêmement restreint, puisque nous avons droit à 10 invités qui sont là au studio de l'Ermitage avec le collectif La Boutique en direct pour le Jazz Club de France Musique. Le collectif La Boutique, donc en direct depuis le studio de l'Ermitage pour le Jazz Club de France Musique. Des musiques de Jean-Rémy Guédon, arrangées et remises en ordre par le directeur artistique de l'orchestre et le trompettiste Fabrice Martinez, qui a l'air d'abandonner sa trompette, peut-être pour prendre le bugle. Il a une trompette à sa droite, un bugle à sa gauche.
Le collectif La Boutique, 8 musiciens plus 1, en direct donc du studio de l'Ermitage dans le Jazz Club de France Musique, et Fabrice Martinez qui se demande si son micro marche, ce que j'espère, voudrait s'adresser à son public. Il y a 10 personnes au balcon de l'Ermitage et quelques millions bien sûr à l'écoute de France Musique. Et nous on écoute Fabrice Martinez. Et bonsoir, j'aimerais tellement m'adresser à mon public, c'est vrai qu'il y a un public ce soir. Oui, ils sont là. Ouh, c'est un début. On joue devant des gens, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Croyez-moi, ça fait beaucoup de bien. Même si effectivement ce concert est en streaming, ça nous laisse un peu rêver à un futur meilleur. On a tous besoin de rejouer là, comme vous le savez. Et je suis très ému d'être là ce soir pour faire une sorte d'héritage à la musique de Jean-Rémy Guédon, qui nous a fait la joie de venir des Comores jusqu'ici pour écouter son ancien orchestre. Et moi, j'ai plongé dans cette culture abyssale de Jean-Rémy, 25 ans de musique, pour ressortir les morceaux qui me touchaient le plus. Les faire un peu à ma sauce, diriger artistiquement un peu ce projet comme je l'entendais. Et puis pour faire le lien entre toutes ces époques, toutes ces années où il y avait dans certains programmes une chanteuse, dans d'autres deux chanteurs, voilà, j'ai eu l'idée d'inviter Vincent Perani, qui a été une chanteuse magnifique tout au long de ce projet. Il a fait vraiment le lien entre l'orchestre et l'écriture et la musique. Il est beau. Hein. Donc merci Vincent, merci Jean-Rémy, merci Public Aimé, le collectif La Boutique en entier ce soir pour vous. Et on va continuer avec un morceau qui s'appelle Peur. Merci au studio de l'Ermitage de nous accueillir. Chadli, qui est un fidèle. C'était mon premier concert à Paris, c'était là. Ça commence à remonter. En 64, c'est ça. Merci Yamilé. Il est sympa avec moi. Hein. Merci Arnaud Pichard qui a fait le mixage de ce disque, qui s'est énormément investi. J'adore le son de cet album. J'en suis très fier. Merci Arnaud. Et toute l'équipe technique ce soir, ils sont nombreux, hein. Je peux pas tous les citer parce que là, je dois dire qu'il y a un paquet de gens qui travaillent autour de nous. Bravo à tout le monde et on continue avec un morceau qui s'appelle Peur, avec un solo de saxophone soprano. Et le collectif La Boutique en direct pour le Jazz Club de France Musique avec son directeur artistique actuel qui est donc Fabrice Martinez, qui abandonne le bugle et qui reprend la trompette. Avec sa sourdine d'ailleurs.
Clément Dutoit au saxophone soprano avec un phrasé, avec un son tout à fait particulier qui est magnifié évidemment par cet arrière-fond très spécial de l'orchestre du collectif, parce qu'il y a du hautbois, il y a du basson, parce qu'il y a de la clarinette basse et que ça donne un sous-bois tout particulièrement boisé qui est un bel écrin pour cette musique qu'on entend en direct. C'est le Jazz Club de France Musique à l'Ermitage. Le collectif La Boutique, musique de Jean-Rémy Guédon, dirigé par Fabrice Martinez. Qui commençait par le quatuor, en fait, j'ai dit le quatuor et pas le quartet pour ce début d'imagination, c'est le titre du morceau, puisque c'était les quatre musiciens classiques qui jouent en effet une musique tout à fait écrite qui donnait le tremplin à ce qu'allait donner la suite du morceau, avec donc un invité spécial de cette soirée, en plus des huit musiciens du collectif La Boutique, Vincent Perani à l'accordéon. Nous sommes en direct, on peut nous écouter et nous voir sur les réseaux sociaux, le YouTube, le Facebook de l'Ermitage, celui du Jazz sur France Musique. Et nous sommes donc à l'Ermitage, au Jazz Club de France Musique. Juste redire un petit mot avant de démarrer ce morceau, qui va être une introduction par un long solo de clarinette.
Remercier bien sûr France Musique qui nous fait l'honneur de nous enregistrer et nous passer en direct. Il fait son travail. Oui, mais qui vous êtes fidèle à nos musiques et passez un samedi soir à 19h des musiques qui sont pas tout à fait les mêmes qu'on entend sur toutes les radios. Je vous remercie pour ça, vraiment. Merci aussi à Emmanuel Lacaze. Yvon Amar, bien sûr, Jean-Rémy d'être là, Catherine Christofari qui nous aide beaucoup, Valentin Levaux qui travaille avec nous dans ce collectif. Jazz Magazine, Citizen Jazz, Radio Déclic, Grand Format, tous les gens qui nous soutiennent, j'en oublie sans doute plein, mais merci beaucoup. On continue avec un morceau qui s'appelle Parrain. Un morceau donc avec le collectif, mais sans l'invité spécial de la soirée qui est Vincent Perani, qui va en profiter pour boire une limonade pendant que ses camarades travaillent. Thank you.
Fabrice Martinez à la trompette et Nicolas Farjex à la clarinette. Je disais tout à l'heure que les musiciens du Quatuor venaient de la musique lue, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que les musiciens classiques ne savent pas improviser, et ça ne veut pas dire non plus que les musiciens de jazz ne savent pas lire la musique. Heureusement, nous voilà en face de la preuve du contraire, avec ce beau croisement de musiciens qui viennent d'univers différents et qui jouent pour nous en direct au studio de l'Ermitage. On peut les voir, on peut les entendre, et nous sommes au Jazz Club de France Musique. Thank you.
intelligence. C'est pas un commentaire de ma part, c'est le nom du morceau qu'on vient d'entendre, avec Yves Rousseau à la basse qui en donnait le diapason, avec Fabrice Martinez qui était au bugle et à un bugle qui n'a pas le côté un peu facile, un peu flatteur que cet instrument peut avoir parfois, mais qui est beaucoup plus vif, précis, sur le fil, c'est un cuivre qui fait vraiment donner son cuivre, et puis Vincent Perani à l'accordéon. C'est donc la musique que nous entendons ce soir en direct depuis le studio de l'Ermitage à Paris dans le Jazz Club de France Musique avec ce collectif La Boutique. Sur la scène de l'Ermitage qui de temps en temps
fond, comme s'il y avait un jeu de miroir entre le timbre de l'un ou de l'autre. Tout à l'heure, il y avait un duo au tout début de ce morceau qui commence comme My Funny Valentine, pour en tout cas les trois premières notes. Il y avait à la fois la clarinette et le hautbois qui jouaient. Et j'ai cru que c'était l'accordéon pendant quelques secondes. Et j'ai regardé, j'ai vu que Vincent Pirani était au repos. Et bien, c'était pas lui. Voilà. Nous écoutons donc le Jazz Club de France Musique en direct, le collectif La Boutique, 9 musiciens sur scène. Thank you.
Clément Dutour au saxophone ténor, Vincent Perani à l'accordéon et des musiciens qui se sourient et qui rient même. Je viens de voir Yves Rousseau qui terminait ce morceau en éclatant de rire. C'est vrai que ça fait du bien de voir une telle participation et une telle bonne humeur sur scène avec des musiciens qui sont quand même à fond dans ce qu'ils font. Ils sont en direct pour le Jazz Club de France Musique depuis le studio de l'Ermitage à Paris. C'est donc le collectif La Boutique, dirigé par le trompettiste Fabrice Martinez. Vincent Perani à l'accordéon, Vincent Perani qui prenait un solo
en trio, tout simplement, avec la basse et la batterie derrière, dans ce Parméric, qui est l'un des morceaux les plus anciens, je crois, de tout ce répertoire qu'on entend ce soir avec le collectif La Boutique dans le Jazz Club de France Musique au studio de l'Ermitage. Alors on s'installe un peu, on cherche. Siba, au revoir, au revoir et merci. C'est un crève-cœur de s'en aller alors que le répertoire n'est pas totalement fini. C'est le dernier morceau qu'il devait jouer, ce collectif La Boutique, dont je vous rappelle les musiciens. Vincent Arnoux, hautbois et cor anglais. Emmanuel Brunat, clarinette basse. Clément Dutoit, saxophone. Nicolas Farjex, clarinette. David Pouradier-Duteil, batterie. Anaïs Reyes, basson. Yves Rousseau, contrebasse. Fabrice Martinez, direction artistique, trompette et bugle. Et l'invité de la soirée, à l'accordéon, Vincent Perani. Tout ça sur une musique de Jean-Rémy Guédon pour le Jazz Club de France Musique qui se termine en direct, enregistré, capté plutôt, au studio de l'Ermitage par le sextet du Jazz Club, c'est-à-dire Patrick Lérissé, Franck Malabry, Benjamin Perru, Benjamin Thiot, Emmanuel Lacasse et Yvan Hamar. Vous écoutez France Musique, il est 20h et nous allons maintenant retrouver Judith Chen. Thank you.
Merci, merci beaucoup. Merci encore à toute l'équipe technique d'avoir réussi ce challenge. Et puis Vincent Perani à l'accordéon magistral. Clément au saxophone, Guillaume au bois, Nicolas à la clarinette, Anaïs au basson, Emmanuel à la clarinette basse, Yves à la contrebasse, David à la batterie. Le collectif La Boutique, merci beaucoup. Ça fait du bien de jouer. J'ai dit Guillaume au bois, j'ai dit. Merci, bonne soirée.